de l'État pour faire Alpha Condé a regagné Conakry après un périple qui l'a conduit au Brésil, en Thaïlande, en Malaisie et en France. Cette tournée s'inscrit dans une dynamique de promouvoir la coopération et renforcer le partenariat entre la Guinée et ses différents États. Voici le cérémonial d'arrivée avec notre reporter Mahmoud Bari. C'est à 13h40 ce jeudi que l'avion transportant le président de la République, le professeur Alpha Condé, a atterri sur le tarmac de l'aéroport international Conakry de Sia. Au bas de la passerelle, le premier ministre, chef du gouvernement et le gouverneur de la ville de Conakry. Aussitôt descendu, le chef de l'État a salué le tricolore national. De la République, le professeur Alpha Condé, a passé ensuite en revue un détachement des forces armées guinéennes et les corps constitués. Le président de la République rentre d'un périple qui l'a conduit à Rio, au Brésil, où s'est tenu tout récemment le sommet mondial sur l'environnement, puis en Thaïlande et en Malaisie. Dans ces différents États de l'Asie du Sud-Est, le professeur Alpha Condé a fortement apprécié l'engagement des uns et des autres à valoriser l'agriculture, mais aussi à qualifier les techniques agricoles ainsi que les méthodes de travail. Mieux, le chef de l'État a visité, outre les réalisations, des industries et parlé avec des techniciens. Il a demandé le renforcement du partenariat, mais surtout le transfert des technologies et la valorisation de la coopération. Après l'Asie, le président de la République, le professeur Alpha Condé et sa suite se sont rendus en France. Dans la capitale française, le président de la République a été reçu par son homologue français, François Hollande, avec lequel il a échangé sur plusieurs questions. C'est un président de la République satisfait de ce périple qui a répondu à nos questions. Monsieur le Président, vous rentrez d'un périple. La première étape a été au sommet de Rio. Et, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut savoir la particularité de ce sommet qui s'est tenu sur l'environnement? Donc, disons qu'on espérait beaucoup de ce sommet, mais nous avons constaté que les préoccupations essentielles de l'Afrique n'ont pas été prises en compte. Nous avons essayé de voir si on peut modifier, mais on a constaté, on nous a conseillé que si on touchait
cet entretien au salon d'honneur de l'aéroport, le président de la République a pris le chemin du palais Sékou Touré avec l'espoir d'avoir accompli sa mission dans l'intérêt de la Guinée et des Guinéens. Éducation, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique est en tournée dans le centre de secrétariat et de correction des examens nationaux. Ibrahima Kourouma et son équipe se sont rendus à l'ENAM, au lycée Matam et à l'école Sainte-Marie pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Compte rendu Amadou Touré. Faire vite et bien, c'est possible si la volonté y est. En inscrivant sa méthode de gestion administrative dans le suivi, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique veille de près sur l'évolution du traitement des copies des différents examens à Conakry, de l'ENAM où les travaux de secrétariat sont presque finis, en passant par le lycée Matam où les corrections du bac prennent une allure active, à Matoto et à l'école Sainte-Marie où sont corrigées les copies de l'entrée en 7e année et le BEPC, les travaux avancent vite et sûrement à la satisfaction des acteurs de l'école guinéenne. Les parents, c'est d'être sereins et d'avoir confiance aux résultats qui seront proclamés au jour J. Et qu'il n'y aura pas d'affinité, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de tricherie. Tout ce qu'ils vont entendre le jour de la proclamation, c'est que c'est cela qui mérite. Je suis très satisfait de ce que je viens de constater. D'abord, la correction se passe dans les conditions les meilleures. Et nous avons trouvé des correcteurs décidés et pleins de volonté. En fait, je suis satisfait de ce que j'ai constaté parce que aujourd'hui, au niveau de l'école guinéenne, tous ceux qui sont chargés, tous ceux qui ont la responsabilité sont aujourd'hui décidés à faire en sorte que notre école présente un nouveau visage. Nous faisons un travail à la chaîne à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je suis très heureux de constater que ce travail à la chaîne marche honnêtement et correctement à tous les niveaux. Nous sommes décidés et je réitère ce que nous avons dit, ce que j'ai dit au peuple de Guinée. Le 17, l'école guinéenne, en tout cas au niveau de l'enseignement pré-universitaire, sera en vacances. Rappelons que contrairement aux années précédentes, les travaux de correction, de secrétariat et de saisie évoluent parallèlement. À ce jour, la quasi-totalité des résultats du BEPC de l'entrée en 7e année de l'intérieur du pays est arrivée ou est en train d'être acheminée vers la capitale pour la saisie afin de tenir les dates du 15, 16 et 17 juillet. Dans la ville de Conakry, une ONG dénommée Guinée Handicap vient d'organiser une formation sur le recensement des personnes handicapées et leurs familles. Objectif, trouver le nombre exact de cette couche vulnérable en vue de l'aider à s'autosuffire. Les précisions dans ce reportage de Ibrahima Blacky Touré. Comment faire le recensement des personnes handicapées, Mandja et leurs familles respectives? Quel est le but de cette formation qui a regroupé les représentants des différentes ONG impliquées dans le soutien des personnes handicapées? Ainsi, l'ONG Guinée Handicapée, les représentants des personnes vivant dans la mendicité, ont invité le gouvernement guinéen, les institutions nationales et internationales, l'insertion au sein de l'administration publique et structures privées, en tenant compte des capacités opérationnelles et managériales de ces personnes vulnérables. D'abord, à Matoné, la nuitée est problématique à ma métier, Ramana. Mais pour moi, je suis mal à mon mot, je suis mal à mon mot. Parce que nous avons une nuitée, parce que nous avons une parce que moi, je suis mal. Initiation au recensement pour qu'il y ait un recensement correct des populations mondiales de leurs familles dans la ville, dans les 5 communes de la ville de Conakry. L'objectif visé dans la formation, nous avons les résultats attendus. Nous avons la méthodologie à suivre pour le recensement correct et nous avons à montrer l'utilité de ce recensement et les différents secteurs de la vie pratique concernés par ce recensement. L'entame de cette formation de recensement des personnes handicapées Mandja rassure davantage des personnes vivant avec la mendicité. C'est le cas de ce monsieur qui a une femme et 6 enfants qui sont en sassage. Cet autre handicapé soudain de son état a évolué avec ses fonds propres pour prouver à suffisance que les mandjans peuvent exercer des métiers nobles s'ils sont soutenus. Je suis très ravi d'avoir participé à cette initiative. Parce que le monsieur qui vient d'organiser cette initiative-là,
vraiment nous encourager. Il y a certains qui ont des objectifs. Si l'État fait face à nous, nous pourrons nous aussi quitter à la rue. Le fondateur de cette ONG tient une main franche pour collaborer avec les partenaires au développement, les institutions nationales et internationales et le gouvernement guinéen pour leur venir en aide. À Delaware, les travaux de construction du pont sur le fleuve Téné avancent à grands pas. Cet ouvrage de 54 mètres sépare les CRD de Bodié et de Mafara. Selon la mission de contrôle, l'entreprise Enanchin est en avance dans l'exécution des travaux. Le point avec Moussa Bangoura. Le fleuve Téné qui sépare les CRD de Bodié et Mafara dans la préfecture de Dalaba fait souvent des victimes. La traversée de cours d'eau se fait par des lianes de fortune ou souvent par la nage. Une situation que le gouvernement corrige par l'aménagement d'un pont de 54 mètres grâce au soutien de la Banque mondiale. Les travaux de construction du pont sur le fleuve Colantin à Madinaoula également avancent malgré la soustraction du matériel essentiel par les ouvriers de l'entreprise. Le matériel manquant a été remplacé par Enanchin. Ce chantier de Madinaoula, tout comme de Kabak et de Téné, tourne toute la journée et presque toute la nuit. Experts chinois et missions de contrôle rassurent continuer les travaux, même pendant la saison des pluies. Le centre culturel franco-guinéen a servi de cadre à la dédicace du livre de François Lucénifal. L'ouvrage intitulé « Guinée, l'horreur d'une démocratie » comporte 6 chapitres où l'homme politique retrace l'actualité politique que notre pays a traversée et continue de subir. Le point dans ce reportage de Alarini Bailoba. Guinée, l'horreur d'une démocratie. Voici le titre du deuxième ouvrage de François Lucénifal. Dans ce livre, l'auteur porte son regard sur le processus politique dans notre pays. Car plus de 50 ans après son indépendance, la Guinée organise enfin une élection démocratique et multipartite. Après donc la publication du premier ouvrage, dans lequel j'avais fait ce pari qu'un changement était possible en Guinée, j'ai décidé de porter mon témoignage sur des événements importants qui se sont passés en Guinée depuis la publication de ce premier ouvrage. Ce second ouvrage donc relate des faits qui se sont passés en 2009, 2010, 2011, mais avec le temps j'ai dû faire un rappel historique des événements qui se sont passés depuis quand même plusieurs années pour donner le contexte dans lequel